Salut les feignasses c'est Salon de Pauvre, c'est là, je sais plus combien aimes, mais c'est pas grave, c'est marqué sur la feuille que j'ai devant moi, si j'y vois à peu près, c'est la 66e déjà. Il est, il est 15h, passé de deux petites minutes à peine, allez, on va pas chipoter. Vous êtes bien sur béton, vous êtes bien calé, vous êtes bien au chaud malgré les restrictions, vous n'avez vous pas été obligé de baisser votre chauffage à moins 4. Non Bon, tout va bien. Eh ben on va commencer. Je vais commencer par vous plomber la sieste. Voilà. Ça, c'est pas Alors, sympa, non. <laughs> Oui, vous allez voir. Je vais vous mettre dans les petits secrets de Radio Béton et de, et de Salon de Pauvre. Voilà, tous les mois, on a une réunion de travail pour préparer l'émission. Elle a lieu la semaine qui précède l'émission. Donc, pour nous, c'était mardi dernier. Et euh, cette réunion, elle a lieu au siège du Conseil départemental, au champs Alors, pourquoi je vous raconte tout ça Eh bien, parce que... Euh, ce mois-ci, la semaine dernière, donc, euh, en sortant de la réunion, on s'est dit qu'on allait prendre un petit café vers le, du côté de la gare parce que la machine à café elle était en maintenance. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et, euh, et ben, on est on est sorti et là, au rond-point, y a juste euh, juste en face du Novotel, on a vu euh, il y a un petit coin de d'une de, haie avec un petit coin de d'herbe. Et il y avait quoi là-dessus Il y avait une tente de camping qui était euh, qui était plantée là. La tente d'un SDF. Alors, je ne sais pas, j'en sais pas plus, je ne sais pas qu'il y avait dedans. A priori, il n'y avait personne à ce moment-là. Euh, je sais, des tentes, il y en a ailleurs, un peu partout. Il y a des services, il y a des assos qui bossent chaque jour pour essayer d'adoucir un peu la vie de ceux qui vivent dedans. Enfin, qui survivent, devrais-je dire. Mais mardi dernier, euh, je trouve que le café, bah, il avait un drôle de goût. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais dire à celle ou celui qui avait planté sa tente à cet endroit que je voudrais juste lui dédier cette émission. Voilà. Alors ça tombe bien, parce qu'on a comme invité aujourd'hui Jean-Michel Roux. Oui, c'est Jean-Michel, hein c'est mmh. bien ça. Mmh. <laughs> bah, maintenant, il faut dire monsieur il nous a fait la leçon en <laughs> début. <laughs> non, pas monsieur <laughs> Et, euh, qui, est, qui est artiste repeinte qu'on a rencontré euh, lors d'une exposition à, à Amboise euh, et son, son expo euh, elle, est, elle est vraiment touchante parce que c'est pas uniquement des portraits, des aquarelles de, de, de diverses euh, personnes qui sont dans la rue ou qui étaient dans la rue mais chaque, chaque portrait est accompagné d'un texte et euh, à chaque fois, c'est comme un petit flash, un petit morceau d'une vie. Et, euh, et ça nous rappelle que euh, quand on voit une statistique, ou quand on voit une tente sur le bord de la route ou sur le bord du trottoir, euh, juste à côté de là où on passe, il y a quelqu'un derrière. Et ce quelqu'un-là, eh ben, il est comme les gens qui sont au RSA. Il a eu une vie avant, et on espère, on fait partie de ceux qui font tout pour qu'il ait une vie après aussi. Et que, que voilà, alors effectivement ces rituels, on est en décembre, on est bientôt, c'est la période des fêtes, on sent qu'on commence à se cailler les miches. Alors on s'en préoccupe des gens qui sont qui sont dans la rue. Mais il faut pas oublier que les morts de la rue, c'est une association aussi. Euh, à recenser, je ne sais plus combien le chiffre de l'année dernière donc euh, je, bon, je préfère il pas dire il y avait de plus conneries centaine de personnes pardon j'ai pas, pas entendu excuse moi il me semble qu'il y avait plus d'une centaine de personnes oui, mais étaient, il me semble qui aussi morte à la rue euh, l'an passé voilà Et, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a aussi toute cette euh, douleur du quotidien euh, qui fait que les gens passent. La plupart de leur temps n'ont pas à se projeter dans l'avenir ou essayer de faire des projets, comme ils disent dans les bureaux des ministères. Euh, ils n'ont pas envie de traverser la rue, euh, ils ne peuvent plus. Ils, ont, ils sont dans la survie, c'est-à-dire que leur préoccupation, c'est de trouver à bouffer pour les heures qui viennent, et de trouver d'un endroit pour dormir un peu à l'abri du vent, jusqu'à demain matin, pour survivre jusqu'à demain matin, et demain ce sera la même chose. C'est ça, c'est ça leur quotidien. Alors quand on nous raconte des salades comme on les a trop entendues depuis des années, en disant qu'il faut pondre des projets euh, euh, pour essayer de remettre ces gens là dans les, leur, leur demander de, euh, de se projeter dans l'avenir, de monter des projets, d'être proactifs et tout, tout ce qu'on entend un peu partout, eh il ben, faudrait peut-être que ces gens là remettent les pieds sur terre et de se dire qu'il y a d'autres réalités euh, à prendre en compte avant, parce que là, c'est une question de survie. Et il y en a effectivement probablement plus d'une centaine encore cette année qui ne survivront pas. Voilà. Bon, je vous ai bien plombé l'après-midi, c'est bon, voilà. On peut, se, on peut souffler donc on dit bonjour à nos invités parce que bon j'ai parlé de jean michel roux mais euh, je n'ai pas parlé de notre deuxième invité c'est de luxe ce, ce mois-ci euh, qui est donc alexandre bonjour bonjour euh, qui s'occupe de culture du cœur, qu'on a déjà invité plusieurs fois avec qui euh, on travaille euh, assez régulièrement euh, et qui qu ont des initiatives qui sont, qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. Et là aussi, c'est du, du concret. C'est tout bête, ça ne fait pas de bruit, ça ne dé... ça, ça fait pas de buzz, hein. malheureusement. Pas assez. Mais ils font un boulot qui est très intéressant. Alors, on va y revenir en, de, en deuxième partie. Tout le monde est là. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Alain. Hélène est, est dans son aquarium de l'autre côté. Coucou. Bonjour à toutes et à tous. <laughs> et puis, euh, bon, bah, on commence tout de suite parce qu'il ne faut pas, faut pas pousser. Hein, J'ai déjà pris assez de temps comme ça. Voilà. Marie-Thérèse, voilà. dis-nous ce qui se passe. Donc, notre groupe, déjà, le nom du groupe, c'est Allocataires du RSA, des gens comme les autres. Donc, euh, le nombre de membres, actuellement, ça ne bouge pas beaucoup 987 à peu près. Ça ne bouge, bouge pas. On n'arrivera ouais. pas aux 1000 à la fin de l'année. Ah. Ah. Voilà. Sur le groupe, donc vous retrouverez toujours des offres d'emploi, des questions posées et les réponses faites par les membres du groupe et des thèmes d'actualité. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre adresse mail salondepauvesgmail.com pour nous laisser vos commentaires, vos suggestions sur notre émission ou sur le contenu de notre groupe, ou si vous voulez aussi venir nous rejoindre. Absolument. Voilà. Il y a du chauffage autrement vous pouvez aussi alors euh, retrouver nos émissions sur notre euh, chaîne YouTube Salon de pauvre. Alors désolé pour l'émission du mois dernier, un, un petit problème technique euh, nous a empêché de vous euh... La bête a bogué. <laughs> voilà. Donc euh, toutes nos excuses. Mais bon, ça se reprend et, et, toutes ça. et toutes nos excuses à notre amie Ingrid qu'on retrouvait le mois dernier. Et j'aurais bien voulu aimer conserver cette émission-là. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Euh, Comme mais bon. Ingrid est une personne extrêmement dynamique. En fait, on va certainement refaire l'année prochaine une émission avec elle. Et elle sera, euh, elle sera parfaite. Voilà. Mais bien sûr, qui ça, Ingrid ou l'émission Ingrid, bien sûr. Ah bon <rire> <rire> Oui, parce que nous, on est restés modestes. Ouais, 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 on la, on la refera Et puis, bon, il y a une autre bonne nouvelle aussi, euh, euh, c'est que dans les mois qui viennent, on va avoir euh, euh, des, des podcasts qui vont, euh, qui vont arriver. Et ça, on vous en reparlera quand ce sera au point. On est en train de, on est en train d'en parler, mais on aura, voilà, vous aurez, pour, vous aurez toutes les émissions euh, en podcast directement sur le site de Radio Béton. Là, c'est du luxe. On fait comme les grandes radios. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, pour notre groupe, c'est tout. Et puis, je voulais rappeler que le samedi 26, avec Alain, nous sommes allés à l'inauguration de la boîte d'à côté du territoire zéro chômeur de longue durée de Bléré. Étaient ah. présents de nombreuses per personnalités, dont la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, nous vous en parlons. en vous parle. Ouais. Nous en, Oui, mais moi, j'ai dit qu'on allait faire court, donc nous allons en reparler <laughs> en, en 2023. Ah là, voilà. j'ai dit, c'était court ce mois-ci, parce qu'on avait des invités, <laughs> deux invités, donc faut qu'on leur laisse parler. Oui, oui, oui. <laughs> il voilà. n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, autrement, des idées de sortie, donc vite fait, donc, euh, ce, ce mois-ci, il y en a plein. Les marchés, de, les marchés de Noël, les spectacles gratuits. Donc, je, je vous en remettrai sur notre groupe, parce que là, je n'ai pas tout noté, je n'ai pas noté. Non. Donc, les marchés de Noël, donc déjà à Tours, vous savez qu'il y en a déjà trois. Les, tous les jours, ouverts tous les jours. Donc, à Amboise, je sais que c'est le, le week-end du, du 17-18 décembre. Donc, autrement, vous pouvez aussi, alors je vous en avais parlé le mois dernier, du site qui déclic 37, où vous pouvez toujours retrouver les, les, des idées de sortie en famille, avec les enfants, à, ou à des prix très raisonnables. Et aussi, le samedi matin, sur le, vous pouvez retrouver Sophie Langlois, qui est la, à l'origine du site, de, de, sur la radio, une radio concurrente, mais bon, c'est quand même. Intéressant de vous le dire quand même, c'est euh, sur France Bleu Touraine, tous bon. les samedis matins à 10h. Une petite radio. Oui, une petite. <laughs> non, non. Voilà, donc euh, voilà. Donc, euh, je te laisse la parole Alain, ouais, bah, fait très je, court moi. Je fais très court d'ailleurs. Euh, très avant... court pour nos invités. Oui, avant toute chose, hein, la, la chronique de... Euh, de, qui n'était pas prévu, c'est qu'il y a eu un spectacle pyrotechnique euh, la nuit dernière à Bléré. C'était un spectacle gratuit, euh, mais euh, ce n'était pas vraiment voulu. C'est la moitié de l'Amérique à cramé. Non, non, c'était ce matin. Ce matin, pas cette nuit. Hein. C'était ce oui. matin à euh, 5h ou 6h. Oui, donc c'est bien, bien que ce n'était pas un spectacle, parce que non, euh, non. faire un spectacle à cette heure-là. Euh... Non, non, non. le, bon, le, spe le pas, spectacle pas, pyrotechnique, c'était le week-end dernier. C'était le week-end, samedi. Voilà. Un, un petit coucou à nos amis de Bléré qui est. Qui... Bon, là, ils ont du boulot pour quelques mois là, parce que de... il n'y a, pas, pas, trop de non, non, y a bah. pas trop de dégâts c'est surtout le haut d'entrée. Non, non, il n'y a pas trop de dégâts. tant mieux pour eux. Si Et tu vas sur le site de notre député, de, 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 de député en bois, tu verras, il y a les ah, photos. Ah oui, <laughs> bon, voilà. Et euh, bah, effectivement, j'ai fait court, voilà. Cette euh, cette fois-ci, il n'y a pas grand-chose. Effectivement, le, le, le moment important du mois dernier pour nous, hein, ça a été l'inauguration de la boîte d'à côté à Blaire, dont tu viens de dont tu viens de parler alors effectivement c'était très très officiel euh, Madame Braun-Pivet qui est présidente de l'Assemblée nationale euh, a de, dit des choses assez intéressantes euh, si vous voulez retrouver tout ça vous pouvez retrouver la totalité de son petit discours euh, sur le sur le groupe sur le groupe de allocataire du RSA des gens comme les autres voilà et euh, ce que je voulais dire Elle m'interrompt comme ça, elle me trouble. Euh... Chaque à son tour. <laughs> Et, euh... Et donc oui, on a fait un petit, un petit direct pour tester, ça a bien marché. Donc on en refera d'autres, des petits directs comme ça. Hein, pour... Ça vous incitera à aller sur Facebook. Et... Euh... Donc, il y, avait, il y avait tout un tas d'élus de, de, du coin, tout un tas de gens. Ils ont tous fait leur petit discours. Euh, apparemment, le repas qui a précédé a été bon. <laughs> Et euh, donc, euh, bon, n'oublions pas la présence de l'équipe de Salon de Pauvres qui voilà. était là, hein, qui a copieusement dévalisé le buffet. Mais ça, bon, euh, on n'allait pas se déplacer pour rien. Et euh, donc, euh, oui, ce qu'on a à vous annoncer juste, c'est du changement chez Job Touraine. Une nouvelle plateforme qui est en cours d'élaboration. D'autres changements sont intervenus, dont nous reparlerons peut-être avec les gens de Job Touraine, d'ailleurs, euh, prochainement. Et euh, ils, ont, ils ont testé la version bêta de la nouvelle plateforme à saint pierre des euh, avec des allocataires. Et euh, c'était la semaine dernière, donc euh, on aura les on aura les résultats on peut voir euh, ce qui marche, ce qui marche pas et tout ça très prochainement. Mais bon, ça je sais que Marie-Thérèse sera pour le début de l'année prochaine. A, voilà, Marie-Thérèse qui est au courant de tout en ce qui concerne Job Touraine, elle nous dira ça euh, très bien. Et voilà, on va terminer juste par un petit chiffre à méditer. Euh, un poste de, de ce mois ci de notre correspondant ou correspondante euh, qui signe Diamantine bleue et qui nous rappelle le coût pour le contribuable de l'évasion fiscale soixante dix milliards par an, soit cent soixante euros par contribuable, le coût de la fraude au RSA vingt trois centimes. Le coût des frais de représentation de l'équipe de Salon de Pauvre n'a pas, pas été communiqué. C'est un secret qui est bien gardé. Je tiens à préciser que l'équipe de Salon de Pauvre est complètement bénévole et donc à votre service. Voilà. Et si vous voulez venir nous payer des chocolats pour Noël, n'hésitez pas. Bien, eh ben, on va commencer par le commencement. Qui commence Je pense qu'on va commencer ouais, par eu... euh, euh, avoir une petite conversation justement avec M. Jean-Michel Roux. Artiste peintre, euh, qu'on a rencontré nous euh, récemment et dont on a vu l'exposition à Amboise, et une exposition de, de tableaux euh, représentant des portraits euh, de personnes sans domicile fixe, euh, hommes et femmes, etc. Et donc ça nous a énormément touché. Ce sont de très beaux tableaux et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons invité euh, Jean-Michel Roux justement à, à venir en parler euh, avec nous. Alors, euh, une première question introductive, en quelque sorte, euh, c'est de savoir, pouvez-vous nous parler de la suite d'expériences qui vous ont amené à, à peindre les portraits des personnes sans domicile fixe euh, le, le confinement euh, euh, du, du Covid euh, m'a fait réfléchir un petit peu sur mes 70 ans, puisque j'ai eu 70 ans euh, cette année-là. <laughs> J'ai eu besoin de réfléchir un petit peu sur les périodes les plus importantes qui ont, qui ont compté dans ma vie. Euh, il s'est imposé à, à moi, si vous voulez, deux périodes. Dans les années 90 pour la première et dans les années 2000 pour la seconde. À savoir euh, la rencontre d'un certain nombre de gens euh, oubliés, oubliés par la société, sans abri, etc., etc., euh, que j'ai connu personnellement, avec qui j'ai eu beaucoup d'échanges, et qui m'ont, j'allais dire, euh, un petit peu autorisé à les découvrir, parce qu'en général, ils sont extrêmement pudiques et ils n'aiment pas parler de leur vie. J'ai découvert des personnages euh, très très intéressants, qui effectivement euh, euh, ont connu une vie précédente qui, était, qui ressemblait à la vie de tout le monde, c'est-à-dire euh, euh, un niveau social tout à fait normal, voire même privilégié et qui se sont retrouvés suite à des accidents de la vie complètement euh, en bas de l'échelle et oubliés par tout le monde, par toute la société, etc. etc. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'était dans les années 2000, où effectivement un accident de la vie euh, m'est arrivé également, c'est-à-dire que je me suis retrouvé exactement dans la même situation qu'eux, une dizaine d'années un, plus tard. Et, euh, comme eux, si vous voulez, je me suis retrouvé sans logement, sans, sans espoir, sans avenir, sans rien, et matériellement avec le minimum, et à l'époque ce qu'on appelait le RMI. Euh, J'ai eu la chance de, 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 de me mettre à dessiner, chose que je ne connaissais pas, et euh, il fallait absolument que je m'occupe. Euh, dans un premier temps, ce fut une thérapie, une thérapie qui a duré plusieurs mois. J'ai beaucoup beaucoup travaillé, j'ai beaucoup gaspillé de papier. Et au bout d'un moment, euh, le dessin ne me suffisait plus, je me suis mis à écrire et je me suis mis à peindre. Voilà pour ce qui est des deux périodes, voilà ce qui, voilà qui s'est passé. Euh... Il y a deux ans, donc pendant le confinement, tout ça m'est revenu. Euh, toutes ces personnes, je les ai revues. Euh... En, en mémoire, je les ai croqués, je les ai peints et j'ai écrit leur histoire. La plupart de, de ces gens-là s'expriment sur une réalité qu'ils ont connue. Et au bout de deux ans, ça a donné tous ces tableaux et toutes ces écritures avec euh, la demande de, de, de la mairie d'Amboise bah, d'exposer ça parce que, disait-il, c'est un sujet très sensible qui, qui intéressera beaucoup de monde. Donc, euh, nous vous proposons Saint-Florentin du, du septembre octobre 9, du 9 septembre au 9 octobre pour exposer tout ça. Et, et si vous le souhaitez, ben, on vous aidera. Alors, m'aider, c'est-à-dire euh, le, le matériel, les panneaux, l'organisation, les, les, tout a été vraiment très très bien. Ça a été une très très belle exposition et il y a eu un monde fou. Je, je n'exagère pas, il y a eu énormément de monde. Donc voilà, euh, je tiens à préciser que euh, une vidéo a été tournée sur cette expo. Elle est visible sur Facebook, sur ma page personnelle, rouge Jean-Michel, et ça pourrait donner à d'autres municipalités ou d'autres organisations éventuellement l'idée de, de reproduire cette exposition dans les grandes villes aux alentours. Je n'ai pas d'idée pour l'instant, j'ai des projets, mais je souhaite que ça se réalise pour l'année 2023. Alors justement, on a vu nous aussi cette exposition, elle était exposée dans l'église Saint-Florentin d'Amboise, qui est un lieu qui se prêtait quand même très bien en fait, à une exposition euh, euh, où l'humanité, où les regards, le regard porté sur les, les portraits, justement, de, de ces personnes, ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des gens qu'on ne regarde jamais, entre, en général, les gens, les passants qui voient les, les sans domicile fixe dans la rue, euh, euh, assis par terre, etc., ne, ne, font, ne, ne les regardent pas. ce sont des passants qui lèvent la tête, qui... Euh, quel, quel est votre comment dire, vous, votre regard justement sur la façon dont les gens euh, juste, évitent d'aborder euh, des personnes telles que les sons domicile fixe. Alors, je, je veux être un messager euh, pour, tout, pour, pour tout le monde. Pour tout le monde. Euh, en quelque sorte, je, je souhaite que monsieur et madame tout le monde qui, qui croisent ces gens-là qui sont assis par terre, comme, comme disait si bien Souchon, euh, répondent au moins à leur bonjour. Euh, à leur sourire et montre à ces gens là que effectivement ils ont encore un minimum de considération pour eux a euh, t elle enseigne que quand, euh, quand j'étais présent à l'exposition de saint florentin beaucoup de gens de toutes conditions sans doute des, des inconnus des gens que je, ne, que je ne connaissais pas étaient extrêmement émus parce que j'avais ce que je proposais parce ce que j'avais écrit. Et prenez conscience, et me le disait, qu'effectivement, ils oubliaient de les voir. Que tous ces gens qui étaient euh, en marge de la société, ils étaient les premiers, effectivement, à contribuer à les marginaliser. Donc, euh, c'est le message que je souhaite transmettre, parce que j'ai pas les clés, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique ou qui ait la possibilité d'améliorer les choses, puisque je, en fait, je suis en amont de l'histoire. Je demande simplement, en tant que messager, à ce que les gens n'ignorent plus personne. Euh, si je pouvais faire plus, je le ferais. Mais ce que je souhaite effectivement, c'est bien que les, gens, que les gens sachent maintenant, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, il y en a maintenant à profusion et il y en aura encore plus demain, que tout le monde sache qu'ils sont des êtres humains avant tout et qu'ils nous valent largement. Alors il y a aussi le, le fait, ça c'est très important bien sûr, c'est de fuir, de, de, de ne pas... Est-ce que c'est... Vous pensez que c'est de, de la peur de la part des passants euh, qui euh, voient des personnes dans une situation extrêmement difficile et qui, d'une certaine manière, ne veulent pas voir parce que ça fait peur, ils pourraient eux aussi se retrouver dans, dans une situation délicate le, En général, si vous voulez... Euh des gens comme vous et moi, on pense toujours que c'est probablement contagieux, que ces gens-là sont dans la misère et que nous risquons de l'attraper. Aussi, nous passons notre chemin le plus rapidement possible en essayant d'oublier que ça peut exister, que ça peut nous arriver. Or, effectivement, n'importe qui, personne n'est à l'abri, n'importe qui peut se retrouver dans cette situation et la peur n'arrange rien, puisque, effectivement, il vaut mieux, peut-être, peut-être avoir un esprit plus ouvert et s'approcher d'eux, essayer de savoir qui ils sont, pour avoir, euh, comme j'ai eu moi, si vous voulez, un aperçu de ce qui peut nous arriver le jour où ça nous arrive. Alors c'est aussi... Euh, on se demande justement dans... Dans ces situations où on voit des gens dans la rue, ce sont des gens qu'on côtoie tous les jours en passant euh, euh, devant tel magasin, euh, dans, dans tel ou tel euh, endroit de la ville, euh, est-ce qu'on peut. Comment dire Quelle est la première chose qui manque Alors, bien sûr, ce qui leur manque, c'est une situation euh, sociale correcte. Euh, bon, ça. Euh, il y, a, il y a les services sociaux qui peuvent les aider etc. donc il faut essayer peut-être de, les, de, les, de leur permettre de, de joindre les maisons de la solidarité, une assistante sociale enfin donc les personnes qui vont les aider à remettre se remettre dans le fil de la société. Mais ça n'est pas si facile que ça qu'elles sont psychologiquement à votre avis les difficultés parce que vous les avez vécues de la personne qui se retrouve de l'autre côté de la barrière qui est devenue une, une personne invisible et qui, qui psychologiquement, n'arrivent pas enfin, à, à retrouver le chemin. Parce que c'est très difficile une fois que cette coupure, cette rupture est arrivée. La société n'est pas faite pour euh, réintégrer ces gens-là. Pourquoi Je dis ça parce que tout simplement, s'il n'y avait pas les associations, s'il n'y avait pas tous ces gens qui s'occupent de ces gens-là, eh bien, je pense qu'il n'y aurait au aucune solution. Aucune solution pour eux, comme disait Alain tout à l'heure. Euh, de d'essayer de dormir une nuit pour peut-être encore vivre demain euh, la société n'est pas n'est pas organisée si vous voulez la société elle est organisée dans un système où il faut gagner de l'argent il faut être représentatif d'un certain niveau social euh... il faut être productif oui tout à fait il faut produire il faut essayer de tout en produisant, d en, d en acquérir les résultats matériellement, euh, c'est très compliqué tout ça. Et le résultat, c'est que la grande majorité de ces gens-là, ce que j'ai appelé les oubliés qui nous parlent, la grande majorité renonce, renonce complètement à essayer de remonter la pente. Si vous voulez, ce n'est pas qu'ils se complaisent dans la misère, mais c'est qu'ils n'ont pas les armes, ils ne peuvent pas remonter. C'est extrêmement compliqué. Si on a un coup de chance, si vous voulez, qu'on ait quelqu'un de, j'allais dire, de peut être de fort, à travers des expériences compliquées dans la vie, qui nous ont renforcés, on ne remonte pas la pente. Alors il se il se résigne, ce qui est ce qui est très triste, c'est triste. Comme, comme Hélène euh, comme l'a dit tout à l'heure, euh, elle a parlé d'être de, de, de l'autre côté de la barrière. Et effectivement, c'est ça. Il y, y a une barrière entre ce que ces gens-là sont devenus, entre eux, et la réalité des autres. Et c'est pour ça que euh, le fait de faire le 115, le fait d'aller vers les MDS, le fait de faire cette démarche-là, ce serait déjà franchir la barrière. Et il y en a, ils n'ont plus la force, physique ou psychologique. Non, non, c'est le renoncement. C'est ça, le renoncement, il est là, il commence, mais, euh, il commence à ce moment-là. Mais aussi parce qu'ils ont perdu complètement, j'allais dire, l'espérance, la foi en l'avenir. Oui. Ils n'ont aucune, aucune envie, j'allais dire, de, 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 de relever la tête parce qu'ils n'y croient plus. Ils ne croient plus à rien, ni à l'avenir, ni à leur, leur possibilité d'en sortir, ni quoi que ce soit. Oui. Et effectivement... Euh... Quand, quand, quand tu dis euh, ça peut arriver à tout le monde euh, effectivement tant qu'on n'a pas vécu euh, ça soi-même euh, on ne peut pas comprendre à quel point la descente elle peut être rapide euh, 24 heures oui oui oui, 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 oui. Euh, et c'est euh, c'est c'est quelque chose qui est terrible parce que le, la remontée d'abord elle est tout à fait aléatoire et en plus de toute façon elle va demander des mois ou des années des années oui oui et c'est euh, bon c'est quelque chose qui qui fait que euh, là on prend conscience euh, de cette euh, de cette fragilité de cette euh, du côté, je trouve pas le mot, du côté précaire, effectivement. Euh, on parle beaucoup de la précarité dans tous les domaines. Euh, effectivement, la précarité, c'est d'être euh, debout sur une plateforme qui oscille comme ça et qui peut basculer d'un côté ou de l'autre à tout moment. Et en ce moment, on parle de précarité énergétique, euh, on parle de précarité alimentaire, euh, on s'aperçoit qu'il y, y a des... des des, des milliers et des milliers d'étudiants euh, qui sont au colis alimentaire euh, et à qui on propose des repas à 1 euro euh, Monsieur Macron qui a, qui a proposé ça euh, en disant mais c'est comme les chaisières du 16e qui font leurs bonnes œuvres enfin ça va pas ça va pas plus loin et ce mec il n'a pas honte. Il n'a pas honte de cautionner une société comme ça, une société où ses petits copains ils se gavent à coups de milliards pendant qu'il y en a qui crèvent dans la rue et c'est ça c'est ça pour lequel vous avez voté alors là on va peut-être pas remettre en cause les élections mais il y aura des élections dans cinq ans et puis' euh, oui, ben, -là, on, il y aura peut- on verra bien mais en tout populaires. cas c'est pour une remise en cause c'est la réalité. Oui, oui, non et mais pour ces gens-là, mais... c'est leur réalité, réalité, ils en crèvent. Mais pour revenir à nos, justement, à, aux, aux personnes qui sont... Ce qui, ce qui est quand même important, mais c'est ce que vous disiez, allez-y, monsieur. Jean-Michel. <laughs> euh, oui, je voudrais ajouter quelque chose. Euh, Alain parlait à l'instant des, des deux côtés de la barrière. Je, je suis le pur produit des deux côtés de la barrière, puisque j'ai été du bon côté, et ça, je le, je le reconnais, j'ai été... Comment dirais-je, socialement parlant, j'ai connu des, des, quelques belles années professionnelles. Euh, quand on tombe de l'autre côté, bon, ce qui est donc mon cas, j'ai connu un côté de la barrière, j'ai connu l'autre côté. Quand vous tombez du mauvais côté, disons, dans, dans, cette, dans cette catastrophe, les accidents de la vie, même si vous remontez la pente, même si vous la remontez, d'abord vous allez mettre des années à la remonter vous restez quelqu'un de fragile vous gardez en dans le fond de vous-même la crainte que ça recommence voilà il faut le savoir et ça ça contribue intuitivement à faire penser à tous ces gens-là que peut-être que ça ne vaut même pas le coup de remonter oui ça c'est effectivement c'est très fort ce que vous dites parce que les personnes qui subissent ces ruptures ces accidents de la vie et constituent ce sont des traumatismes qui mettent les personnes qui en souffrent dans un état de sidération, d'incapacité de réagir, de mise en veille de la réalité, et de perte d'estime de soi et de non-existence qui va vers la non-existence. Alors, euh, ce qui est terrible, c'est que dans nos sociétés productivistes, etc., il faudrait toujours rebondir, rebondir, rebondir. Mais les traumatismes subis par les gens, eh bien, ça met les gens par terre, et rebondir, ça n'est pas facile du tout. Et ensuite, effectivement, les gens sont fragilisés. Tout, toutes les personnes qui ont vécu des, des grandes ruptures et fractures dans leur vie, ou même dans la société, les périodes de guerre. Ou les, les maladies. Oui, effectivement. Euh, tout ça, ce sont des éléments qui font que les gens conservent en eux-mêmes cette souffrance mmh. et cette peur et cette inquiétude et cette, cette angoisse permanente de, de la vie, de la réalité, etc. Et, et en fait, on voit bien que notre société, effectivement, elle n'est pas formatée dans le bon sens à réintégrer, à, ré, euh, à, à, oui, à intégrer et à accueillir les gens dans la société, mais au contraire à marginaliser tous ceux qui font plus partie de la norme. Et ça, fa... le problème, c'est qu'en ce moment, ça va faire beaucoup, ça fait déjà beaucoup de monde, et ça risque de continuer parce que la... les situations économiques et autres ne sont pas forcément brillantes. Même loin de là, euh, on est dans un monde qui est très instable. Et si nous n'avons pas la capacité de, comment dire, d'inviter les gens de les, à, à, à se réunir, à, à faire ensemble corps, social, etc et bien effectivement on arrive à des situations extrêmement euh, euh, douloureuses et puis surtout euh, euh, qui, qui sont contre-productives parce que mettre les gens de côté c'est quelque chose de très très de, de c'est absolument intolérable en fin de compte. Et le problème devient insoluble il devient insoluble parce que si vous voulez c'est tellement exponentiel ce qui se passe on est en train, je, je vais employer un terme qui peut-être est mauvais, mais euh, qui, qui, à mon avis, euh, dit bien les choses. C'est-à-dire qu'on est en train d'engranger encore plus de gens pauvres en, en intégrant, en, en, en faisant en, en faisant venir des gens, des pays étrangers, etc., etc. On est en train d'engranger de, de plus en plus de gens pauvres qui sont qui sont ni pires ni mieux ni pire ni mieux que de les, les, les gens dont nous parlons jusqu'à présent, euh, il faudrait, il faudrait un, un miracle pour arriver à gérer cette quantité phénoménale de gens et qui va en se développant, je parle de la quantité, de manière incroyablement euh, rapide et dramatique. Alors, c'est effectivement, c'est toujours la, la question est-ce qu'on est capable d'accueillir toute la misère du monde Je pense qu'on est quand même, si on le veut, euh, en mesure d'inclure les gens. Et, et pour ça, il faut justement développer euh, les services sociaux, développer les, toutes les aides que l'on oui, peut et mettre en place. Le système. Et pour, au lieu de faire de l'exclusion, faire de l'inclusion, parce que les gens qui viennent, ils viennent pour trouver mieux. Ils sont pas forcément, euh, au, euh, comment dire, de mauvaise foi. Au contraire, ils souhaitent euh, s'intégrer. Et euh, on a déjà un système qui exclut euh, les nationaux. Voilà. Alors si, si on exclut tout le monde, on arrive à quelque chose d'épouvantable. Et... Mais mais les faits sont là. Hein. Les, les faits sont là parce que encore une fois, c'est pas du tout, du tout une question de politique. C'est simplement une question d'humanité. On a, on a, si vous voulez, un volume de gens, si on peut parler comme ça. Qui est de plus en plus important, de plus en plus important, peu importe les, les catégories ou tout ce qu'on veut, hein, ce n'est pas le problème, mais je, je veux dire que déjà, on a une, une faiblesse énorme de, de, de la part du système, et, et, et plus on a de pauvres, et plus le système est décalé. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il faudrait peut-être aussi, euh, comment dire, euh, se tourner vers euh, nos bons politiques, euh, oui. parce que euh, si l'organisation n'est pas bonne, c'est bien parce que elle est mal pensée quelque part, euh, parce qu'on fait semblant de ne pas voir aussi les, les difficultés. Donc euh, euh, effectivement, euh, il y a quand même une grande, euh, comment dire, une grande réflexion à mener hein, sur euh, sur toutes ces sur toutes ces questions. Et parce que l'être humain semble ne plus vouloir grand chose. Oui. Alors il ne faut pas rester sur quelque chose de pessimiste, mais malgré non, tout, vous mais, avez raison. Non, mais ce n'est pas pessimiste que de regarder les choses en face, si vous voulez, puisque aujourd'hui, aujourd un être humain, d'abord c'est une marchandise, dans, dans tous les sens du terme, et en plus et, et, on n'attache plus de valeur à la vie, à l'être humain lui même. Oui, effectivement, on est dans une société de consommation, une société qui est très matérialiste, où les valeurs sont des valeurs matérielles. Et effectivement, il faut, bon, il faut bousculer tout ça, remettre en cause et puis revenir effectivement aux, aux vraies valeurs humaines. Alors, est-ce que tous ces portraits qu'on a vus dans votre exposition, ils nous ont beaucoup touchés C'est vrai que ça nous a beaucoup émus parce que euh, là, on voit enfin des regards de personnes, euh, personnes sans domicile fixe. Et est-ce que... Quels remèdes pensez-vous qu'ils peuvent apporter justement euh, en étant montrés, en étant vus par un maximum de personnes lors de, de prochaines expositions Alors la première étape, c'est que, je, je répète ce que je disais au départ, c'est que on les voit. D'accord euh, La deuxième étape, c'est que les ayant vus, on commence, j'allais dire, à retrouver notre conscience. Collectivement, bien sûr, comme dirait un certain. Et euh, à partir de là, je suis peut-être un petit peu naïf, mais je pense que si vous voulez, la société peut effectivement commencer de voir les choses autrement si on, on veut bien regarder tous ces gens-là, parce que ça peut influencer, j'allais dire, bah, le, le, la politique, l'avenir du pays et d'autres pays, etc. etc. puisque. Si vous voulez encore une fois, plus ces gens-là vont être nombreux, plus ils vont représenter un problème. C'en est déjà un, mais j'allais dire le, le problème va être ingérable. Donc, si nous, moi, je, je considère, si vous voulez, aujourd'hui que je fais partie des gens qui sont sortis de cette situation, même si, mais je ne vais pas y revenir, si vous voulez, si, si nous-mêmes, nous avons le, le, la volonté de, 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 de de changer, d'évoluer dans, dans un, un nouvel humanisme, si vous voulez, qui est, qui est, qui est tout simple. Hein. C'est de regarder l'autre et de se dire c'est le même que moi. Hein. C'est tout. Hein. A, on est tous faits sur le même modèle. Hein. On est tous des êtres vivants. Tous des êtres vivants. Et c'est bien ce qu'il faut retenir là-dessus c'est qu'on est tous des êtres vivants. Absolument. Que Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit tout ce qu'on veut, on est des êtres vivants. Et ça, c'est voilà. ce que les gens oublient. On est tous. Tous, 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 tous. Et, et on peut à terme Faire, faire bouger le système Alors ça c'est pas de la politique Même si on va me dire Vous faites de la politique Ce n'est pas de la politique C'est une manière humaine de regarder les choses oui, en effet, la politique, étymologiquement, c'est la vie de la cité. Et donc, la vie de la, de la cité, la cité nous, oui. y, nous sommes tous concernés par cela en tant que citoyennes et citoyens. Avant de terminer notre conversation, Jean-Michel, je voudrais que vous nous parliez du catalogue de l'exposition que vous venez de publier et aussi des, des projets d'itinérance de l'exposition. Alors, euh, en deux mots, le catalogue, donc, est sorti. Euh, il est Comment dirais-je Il est déjà euh, en vente euh, chez LUE Approuvé à Amboise. Il est également à la librairie euh, C'est la faute à Voltaire. Euh, je, toujours à Amboise. Toujours à Amboise. Je pense euh, pouvoir, euh, avec l'aide d'Alain, qui m'en avait parlé, euh, rencontrer quelqu'un, euh, une nouvelle librairie, si j'ai bien compris, avenue de Grammont à Tours. Oui, oui, oui. oui euh, voilà. Je ne me rappelle plus le nom de la librairie. Pardon à tout le monde, mais suis euh, trop de mémoire. On, on va retrouver. Oui. Euh, oui. J'ai également, euh, on m'a conseillé d'aller voir à Bléré une, une librairie associative qui s'est ouverte, ou, ou coopérative, enfin quelque chose comme ça. Euh, alors, ce catalogue contient la totalité des portraits qui ont été exposés à l'église Saint-Florentin à Amboise. La totalité des textes qui les accompagnent, c'est-à-dire que en, en tout nous avons donc 60, pardon, 45 portraits et 45 écrits, donc 90 choses qui sont dans ce, dans ce recueil, qui a été très 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 bien réalisé, qui est un, 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 joli, un joli bouquin. Et euh, donc, euh, j'engage les gens qui souhaitaient, le, qui m'ont demandé à l'exposition euh, de, pendant toute la durée de l'exposition, si j'allais sortir un livre, ben, j'engage tous ces gens-là à aller euh, se le procurer dans les endroits que j'ai cités. Et concernant les prochaines expositions, donc, il est probable, très probable, qu'il y aura une exposition à Tours en 2023. J'espère au printemps. Euh, ce, ce recueil sera vendu. Tout au long de la prochaine exposition et des expositions suivantes, c'est-à-dire que si vous voulez, je serai toujours présent pour dédicacer et pour euh, pour satisfaire la demande des gens concernant ce recueil. Quel est le titre de, du catalogue Les oubliés nous parlent. Les oubliés. Les oubliés nous parlent. Les oubliés nous parlent. Voilà, voilà. c'est avec mon grand casque que je vous entendais mal. Alors, etc. simplement, si vous voulez, les oubliés, ce sont les, les portraits. Et nous parlent, ce sont les écrits. Le portrait parle. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel. J'espère que beaucoup, beaucoup de personnes euh, iront aux prochaines expositions et puis euh, achèteront le catalogue parce que vraiment, ça en vaut la peine. Ce sont des œuvres d'une très, très belle qualité. C'est moi qui vous remercie. Et on se reverra. Avec plaisir. Dis-moi, Guylaine, <laughs> tu nous as préparé quelque chose, musicalement je vais parlant essayer de vous passer, Je vais essayer de vous passer oui. Jeff de Jacques Brel. Voilà, c'est à, à de la notre demande. Jean-Michel Roux, justement, bon. euh, aime beaucoup cette, cette chanson. Donc, euh, je fais une manipulation dangereuse. Oui, mais c'est pas grave, vivons dangereusement. Exactement. <laughs> bon, et. Euh... Alors, oui, je sais, Brel, c'est pas tellement rôle mais bon, il euh, n'y a pas que le rock à béton. hein Et puis, euh, et puis Grand Jacques, eh ben, ça rappelle des souvenirs, il n'y a, a pas que Higelin. Et bien voilà. Voilà, et voilà, eh bien, nous avons écouté cette chanson de Jacques Brel, et maintenant, nous allons. Euh... Euh, avoir une petite conversation avec notre invité alexandre guyard nous faisons un petit bonjour à jeanne bonello qui a la grippe et qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais euh, alexandre est là alors tout va bien <laughs> oui, lui il n'a pas la grippe du tout il est en pleine forme en pleine forme bon alors Alexandre, euh, effectivement, on avait déjà accueilli régulièrement euh, Culture du Cœur, mais il y a toujours des choses nouvelles, justement, puisque c'est presque comme aux Galeries Lafayette, c'est même beaucoup mieux, <laughs> c'est merveilleux. Et donc, euh, en fait, est-ce que vous pourriez, euh, dans un premier temps, euh, nous rappeler quels sont les droits culturels et quelles actions sont engagées par Culture du Cœur et vos partenaires à ce sujet eh bien, bien sûr donc euh, les droits culturels désignent les droits libertés et respons les responsabilités euh, propres à une personne ou à un groupe qui pour elle ou pour autrui euh, a du coup le droit d'exprimer son identité et d'accéder aux références culturelles comme autant de ressources nécessaires à son processus d'identification de construction et de communication. Euh, nous, Culture du Cœur, du coup, nous sommes une association euh, qui a pour but de lutter contre euh, l'exclusion et d'agir en faveur de l'insertion sociale des personnes en facilitant leur accès à la culture, au sport et aux loisirs. Pour ce faire, euh, nous avons trois outils euh, en main. Le premier, euh, surtout le, le plus demandé, euh, c'est la billetterie solidaire qui nous permet de mettre en place euh, au sein du département près de 17 000 inv invitations euh, grâce à de nombreux part partenariats avec euh, les équipements culturels du département. Ces invitations sont mises à la disposition euh, des personnes suivies par des structures sociales. Actuellement, Culture du Cœur euh, d'Indre-et-Loire euh, est en partenariat avec plus de 250 relais sociaux donc des structures sociales, euh, et également plus de 150 partenaires euh, culturels, qui, sportifs et loisirs, qui nous permettent de comme ça, mettre à disposition euh, des places, que ce soit en, en milieu culturel, théâtre, opéra, euh, cinéma, mais également euh, en sport, basket, volet, et dans différents loisirs. Dont Radio Béton. Dont Radio Béton. Tout à fait. Attends. Oh, quand même. <laughs> oui, justement, il faut rappeler quand même que c'est assez extraordinaire parce qu'il y a un tel réseau autour de culture du cœur que les personnes, ça concerne les personnes qui sont bénéficiaires ou allocataires des minima sociaux. Euh, ce droit à la culture, comme vous le disiez, euh, c'est quelque chose qui doit être ouvert à tous. Et donc là, il y a une telle variété entre le sport, la culture, les loisirs qui peuvent être justement... Euh, accessible à, à tous, que ce, ce réseau en Indre et Loire, il est assez extraordinaire quand même. Il y a combien déjà de euh, structures culturelles et euh, loisirs sportifs qui sont euh, en partenaire avec vous euh, Pour nous, Indre et Loire, on en a environ 150. Oui, énorme. Cependant, Culture du Cœur ne se limite pas au département, puisque nous sommes présents euh, dans, sur, sur le territoire français avec plus de 40 associations territoriales. Euh, plus une branche euh, au Canada. Oui, ça peut être surprenant, mais c'est bien le cas. Oh, c'est extraordinaire, ça. On va donc prendre l'accent canadien et puis euh, parler à nos amis canadiens. Et <laughs> Alors, donc, 150 déjà structures sur le département d'Indre-et-Loire. Euh, bon, c'est déjà quelque chose de, de très très important. Et je voulais vous demander euh, quels étaient les nouveaux projets euh, qui, sont, euh, qui sont en cours d'élaboration à Culture du Cœur. Eh bien, euh, on en a plusieurs en cette fin d'année euh, 2022. Donc, euh, je peux vous parler par exemple d'un parcours croisé que nous mettons en place avec euh, Terre du Son, euh, qui aura lieu le, le 16 décembre du, de 10 à 12 au centre CISPO. Ce parcours croisé aura pour but de, de monter des projets collectifs euh, co-construits avec des acteurs culturels et sociaux. Euh, mais nous avons également euh, les 15 ans de notre association qui approche à grands pas, puisqu'ils s'annoncent pour l'année prochaine. Et. Champagne Ah, ça s'annonce Et euh, justement, euh, à propos, nous, nous mettons en place euh, le 15 décembre prochain, de 10 à 12 h également au Cinéma Studio, euh, un atelier euh, c'est un projet co-construit également. Euh, pour lequel euh, nous allons euh, créer, euh, avec euh, des personnes que nous suivons, un documentaire sur euh, c'est quoi la culture et surtout à quoi ça sert. Bien sûr, nous comptons sur euh, tous nos relais sociaux euh, pour y parvenir. Ah, alors voilà quelque chose d'intéressant. En fait, à la fois les relais sociaux et à la fois euh, des personnes qui, qui bénéficient justement des, de la billetterie, etc., qui construisent avec vous. Le but justement de ce documentaire, ce serait d'être construit. Euh, par les personnes suivies par des relais sociaux euh, en partenariat bien sûr euh, avec euh, des acteurs culturels qui nous comme euh, Canal sans fixe qui nous permettent justement de réaliser sans canal fixe sans canal fixe, euh, fixe excusez-moi euh, qui nous permettent justement de réaliser euh, ce genre de projet alors, il faut rappeler que en fait, pour accéder à la billetterie et autres, il faut déjà avoir un lien avec soit une assistance sociale, soit une maison de la solidarité, soit... Enfin, euh, soit envoyer un pot de vin à Radio Béton. Euh, <laughs> vous envoyez un chèque à Guylaine, elle va vous arranger ça très bien. C'est complètement faux, là, je récuse complètement euh, Alain. Alain. Quand même. Mais euh, en effet, euh, il suffit d'aller euh, voir son référent au sein d'une structure sociale sachant qu'on peut déjà euh, regarder sur le site Culture du Cœur euh, les listes euh, des places proposées. Par contre, euh, pour réserver une place, il faut en effet euh, euh, aller voir son référent ou sa référente. Seuls eux sont habilités à prendre des places, tout à fait. Voilà, parce qu'au sein des, des services sociaux, il y a donc les référentes sociaux professionnels ou les assistantes sociales qui sont les personnes euh, qu'on va trouver dans les maisons de la solidarité, notamment, et qui vont. Parce qu'il y en a combien Il y en a 6 en Indre-et-Loire, me semble-t-il, des maisons de la solidarité. Et euh, c'est à partir de là, en fait, que la personne va pouvoir euh, dire que telle. Euh, comment dire, telle place de théâtre ou telle place de ce concert l'intéresse ou telle place de, place de, de basket, etc. Enfin, euh, et à ce moment-là, c'est cette personne qui va euh, sortir l'affiche euh, avec le billet euh, qui, va être, qui va lui être donné gratuitement, justement, pour pouvoir euh, assister à, à la, la représentation ou bien, euh, voilà. Et alors, ça, c'est une chose. Il y a un intermédiaire, il faut bien le, le dire auprès des gens. Ils ne peuvent pas directement aller euh, voir Sculpture du Cœur en disant bah, nous, on aimerait telle et telle place. Il faut passer par l'assistante sociale ou une référente ou un référent socioprofessionnel. Tout à fait. Et on, on peut avoir des, des places pour des choses qui ont lieu dans d'autres départements, dans certains cas Oui, tout à fait. Euh... Nous, culture du cœur actuellement, nous sommes, nous sommes culture du cœur Indre et Loire, mais il y en a d'autres dans d'autres départements. Si, euh, si nous avons une antenne dans ce, dans ce département, euh, il ouais, y a moyen de faire disponible. Parce que je sais que je connais des gens qui ont eu des, des accès au, euh, au château de Chambord, notamment, ou au parc de Beauval, ou des choses comme ça. Tout ouais. à fait, les, les places patrimoine. Ah bah moi, il y a un truc qui m'intéresse. J'ai vu des affiches à Tournord un peu partout. Il y a bientôt un salon de l'érotisme au Mans. <laughs> Vous n'avez pas des places pour ce truc-là bon, Alors, on va te couper la parole et tu auras quatre mauvais points là, si tu continues euh, sur ce thème. Ah, ben bah écoute, faut bien que je m'arrange mon petit Noël, non mais oh <laughs> Vas-y, démerde-toi avec ça. Alain, c'est toujours la même chose. Il est ingérable, ingérable. Il est intenable. Ah, ben on s'amuse bien. Hein Alors, euh, je voulais dire un petit mot aussi, oui. euh, euh, Alexandre Guillard. Donc vous, vous êtes euh, à Culture du Coeur, mais dans une situation particulière, en fin de compte. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, Oui, tout à fait, puisque je, si je suis actuellement à Culture du Coeur, j'y suis en tant que service civique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est précisément euh, Bien sûr, je ne suis pas spécialiste, mais je vais tout faire. Alors... Service civique, c'est un volontariat euh, disponible à tous les jeunes de moins de 25 ans, euh, voire un peu plus si vous êtes dans une situation euh, particulière comme le handicap. Euh, ce volontariat euh, me permet actuellement euh, de euh, travailler à Culture du Cœur en disposant euh, d'un salaire payé en partie euh, par ma structure, mais avec des aides. Euh, cet emploi me permet de travailler de manière sécurisée avec euh, du coup euh, des, des horaires agréables. Je ne vais pas vous mentir, mais surtout, euh, ça me permet de, euh, ça permet à plein de personnes, plein de jeunes, de découvrir des métiers pour lesquels ils sont pas forcément formés dans un temps protégé et euh, respectueux. Mais ça permet également euh, beaucoup d'autres choses. Ça permet d'exercer des, des activités qu'on aime. Je sais qu'il y a des services civiques ici à Radio-Béton. Euh, oui, tout à fait. Et il y en a plein d'autres au sein du territoire et dans plein d'autres domaines. Ça ne se limite pas forcément à la culture et au sport. Euh, il y en a dans les services sociaux, mais également euh, en santé. Nous sommes partout et nous sommes surtout très utiles. Alors c'est tout à fait vrai et puis ça montre justement cet engagement euh, volontaire de euh... l'engagement volontaire pour autrui. Euh, c'est généralement comme ça qu'on nous le présente et. C'est comme ça que nous essayons de le défendre, en tout cas. Alors, si voilà, c'est quelque chose de très important, en fin de compte, et ça concerne les jeunes. En fait, les, alors, de, de quel âge à quel âge Alors, euh, c'est limité au maximum 25 ans, sauf, comme je l'ai dit, euh, situation particulière. Euh, et quant au début de l'âge, j'avoue que mon tuteur de service civique n'apprécierait pas que je le dise, mais j'ai oublié euh, <laughs> l'âge du début, ça doit être 18 ans. Non, la voire plus, euh, plus jeune, excusez-moi, 16 ans, parce que je, je connais des services civiques euh, qui ont nombre 17. Merci beaucoup, Alexandre Guillard, Merci de nous avoir vous. donné toutes ces informations. Ben, en fait, je crois que je vais laisser le, le dernier mot à Alain, parce que c'est Alain, voilà. Gentil, tu sais pas ce que tu risques, là. Non, mais... <laughs> Allez, non, il est juste au temps de dire au revoir. Il est quasiment... De ce tu... ouais, il est... Et puis de souhaiter es des bonnes fêtes à tout le monde. Absolument. Et puis, on se donne rendez-vous au 3 janvier. 3 janvier, ça et va oui, être... Ça va être l'année prochaine. Eh bah, ben, écoutez, bonne, Chargée, bonne fête, bonne fête à tous.